Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique. Notre invitée ce soir est candidate aux élections municipales à Lyon, candidate de la gauche. Bonsoir Sandrine Runel. Bonsoir. Merci d'être avec nous, soyez la bienvenue. En face de vous, il y a Antoine Comte, rédacteur en chef de Tribune de Lyon, notre expert politique. Bonsoir Antoine. Bonsoir à vous. Tribune de Lyon magazine, partenaire de cette émission. Comme d'habitude, quelques éléments de portrait sur notre invitée, sur vous Sandrine Runel. On rappelle que vous êtes élue dans le 8e arrondissement de Lyon. Vous êtes aussi conseillère à la métropole et c'est donc vous qui portez les couleurs de la gauche pour ces municipales à Lyon. Alors vous êtes la candidate du Parti socialiste, du Parti communiste, de Génération, de Place publique, de Nouvelle Donne, et vous faites équipe en quelque sorte avec Renaud Père qui lui est tête de liste du côté de la métropole. Et puis on précise que dans la vie, eh bien, vous êtes en charge de la formation professionnelle à la direction du travail. Tout de suite, on commence par les questions d'actualité. Avec l'entrée en service ce matin des vélos électriques, c'est la grande nouveauté pour se déplacer dans l'agglomération, pour inciter les Lyonnais à laisser la voiture, pour prendre le vélo, pour se déplacer. C'est une nouveauté que vous saluez, j'imagine ? Oui, c'est une très bonne mesure puisqu'effectivement ça permet aux Lyonnaises et aux Lyonnais de pouvoir se déplacer plus librement, d'aller plus loin aussi. Mais c'est une mesure qui n'est pas suffisante puisque le vélo est déjà beaucoup utilisé à Lyon par les habitants. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver des pistes cyclables sécurisées et de pouvoir relier un point A à un point B. Aujourd'hui, il y a de la discontinuité dans les pistes cyclables et elles ne sont pas toutes sécurisées. Donc ce que nous souhaitons proposer pour la liste Vivons Vraiment Lyon, c'est le réaménagement de certaines pistes cyclables et surtout son développement à l'intérieur de Lyon et pour aller aussi jusqu'à Villeurbanne. Et donc ça, c'est des choses que nous développerons aussi avec la métropole de Lyon. Sandrine Runel, vous saluez cette initiative. Est-ce que vous allez prendre votre abonnement à ces vélos électriques ? Alors non, puisque j'ai déjà un vélo. Moi, j'ai un vélo qui n'est pas électrique, mais j'ai un vélo et donc je m'en satisfais pour mes déplacements, que ce soit pour la mairie d'arrondissement ou pour aller à mon travail. Et donc, vous rencontrez des difficultés sur la route quand vous êtes à vélo ? Vous vous sentez en danger ? Oui, puisque moi, je transporte mes enfants en vélo tous les jours pour les amener à l'école. Je fais beaucoup de vélo puisque je vais en réunion avec et je vais à la mairie d'arrondissement également avec. Et il n'y a pas toujours des pistes cyclables qui soient sécurisées. Il y a également beaucoup de livraisons qui se font sur les pistes cyclables au détriment des cyclistes. Il y a une vraie dangerosité aujourd'hui à Lyon de circuler en vélo et nous devons agir contre cela. Un mot, Sandrine Runel, sur une autre actualité, sur la réforme des retraites. Il y a une nouvelle mobilisation, oui. Une nouvelle manifestation aujourd'hui, notamment à Lyon. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de manifester finalement ? Alors il y a eu un regain de mobilisation, un petit regain, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose de manifester ? Et est-ce que les syndicats ont perdu la partie finalement ? Non, alors j'étais à la manifestation aujourd'hui, ce matin, comme à toutes les autres par ailleurs. Non, au contraire, je crois que les syndicats ont raison et ils sont soutenus aussi par les forces politiques, par les différentes organisations, de continuer à montrer leur mécontentement, de montrer aussi qu'ils sont présents dans la rue pour se battre et défendre un projet de réforme des retraites qui soit plus juste et plus équitable pour tous. Pour vous, Emmanuel Macron, il n'a pas entendu la colère de la rue et est-ce qu'il va le payer cher selon vous dans les urnes en mars lors des élections ? Alors, il ne l'a pas entendu cette fois-ci, mais il ne l'a jamais entendu depuis qu'il est élu président de la République. Il est sourd à la colère. Il est absolument sourd à la colère de la rue. On voit la manière aussi dont il s'adresse aux personnes qui sont en recherche d'emploi ou les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il n'entend jamais les colères de la rue. Et là, je crois qu'effectivement, il va y avoir aussi un regain, une mobilisation assez forte, un vote anti-Macron pour les élections municipales. La deuxième partie de Lyon Politique. Tout de suite, on passe à l'interview politique de Sandrine Runel. La première question avec Antoine. Sandrine Runel, on va parler du dernier sondage qui est sorti, sondage Opinion Way, dans lequel vous êtes crédité de 11% d'intention de vote à la ville de Lyon. Donc une hausse de 5 points hein, par rapport au précédent sondage. Mais on voit bien quand même qu'avec ce score-là, ça va être très difficile pour vous d'être élu prochaine maire de Lyon. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Non, je suis plutôt...
assez optimiste sur le vote des prochaines élections municipales. Je pense, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que nous serons aussi la surprise. Le vote utile à gauche, c'est la liste que je porte, et donc vraiment nous souhaitons accentuer le développement de cette ville avec des mesures écologiques, sociales et aussi démocratiques. Les sondages sont ce qu'ils sont, effectivement. Il faut les croire, ces sondages, ou pas? Parce que 11%, c'est quand même un score qui est très faible. C'est pas un score qui est très faible. Je vous rappelle que le Parti Socialiste aux dernières élections européennes sur Lyon faisait 7%, donc on voit bien en fait qu'il y a justement une nouvelle dynamique qui se met en place, aussi du fait du renouvellement et de cette génération que nous portons dans nos listes, avec des nouvelles têtes de liste qui sont aussi renouvelées, une équipe qui est dynamique et qui a envie d'agir pour la ville. Les sondages sont ce qu'ils sont, ça nous donne aussi une température. La difficulté sur Lyon, c'est que ce sont des arrondissements, et donc on sait très bien qu'il y a des arrondissements qui nous sont plus favorables que d'autres, et donc ces 11% sont une moyenne. Mais nous souhaitons bien sûr continuer à œuvrer et à travailler sur le terrain, au plus près des arrondissements, pour pouvoir faire un score bien plus important que celui-là. En tout cas, pour espérer l'emporter, il faudra faire des alliances politiques au second tour. Alors avec qui? Il y a les écologistes de Grégory Doucet, il y a l'ancien maire et dissident macroniste Georges Kepenekian, Nathalie Perrin-Gilbert, la très à gauche maire du premier arrondissement. Avec qui? Avec les trois? Avec les écologistes? Avec comment vous pouvez nous expliquer je ça? Je crois que ce qui est important de retenir de ces sondages, c'est que personne ne peut gagner seul, ni au premier ni au deuxième tour. Donc les alliances seront bien évidemment nécessaires. Aujourd'hui, pour répondre à votre question très clairement, il n'y aura pas d'alliance de notre liste avec La République En Marche, que ce soit avec La République En Marche officielle de Yann Cucherat ou avec la dissidence portée par Georges Kepenekian, puisque pour moi, il n'est absolument pas dissident. Il est de La République En Marche. Il attend un tournant qui n'arrive absolument pas. Il nous avait promis des mesures beaucoup plus sociales, mais aujourd'hui, on voit quand même qu'ils sont soutenus par tous les députés macronistes lyonnais. Donc les alliances, elles se feront bien sûr plutôt nous avec les forces écologistes. Concernant Nathalie Perrin-Gilbert, on voit bien qu'elle est dans l'incapacité aujourd'hui de se retrouver avec quiconque au deuxième tour. On voit bien qu'au premier, elle est très esselée. D'ailleurs, juste pour reprendre votre présentation initiale, les insoumis, une partie des insoumis nous ont rejoints. C'est bien la preuve aussi qu'elle est dans l'incapacité de travailler avec eux et de rassembler à gauche. Donc je suis assez fière de porter cette liste de gauche, et justement les alliances au second tour se feront avec des gens qui ont envie de continuer à travailler dans ce sens. Ça sera suffisant, les écologistes, seulement avec le score des écologistes, parce que vous êtes à 11%, les écologistes sont plutôt bien placés, mais est-ce qu'il ne faut pas justement tous vous unir pour faire une vraie force de gauche en capacité de l'importer? Alors moi je regrette qu'elle n'ait pas souhaité s'engager dans notre démarche et qu'elle n'ait pas souhaité nous rejoindre. Ce qu'a fait l'ensemble des forces politiques, et c'est quand même assez unique à Lyon pour ce premier tour, de voir l'ensemble de la gauche rassemblée autour de ma candidature. Mais justement, vous dites votre bannière, la gauche unie, c'est pas un peu du marketing dans le sens où il y a une vraie dispersion de la gauche? On l'évoque, les écolos, Nathalie Perrin-Gilbert, il y a un éclatement de l'offre au niveau de la gauche. Alors, la gauche, elle est portée par ma candidature. Les écologistes se revendiquent de l'écologie, mais absolument pas de gauche. D'ailleurs, on voit bien au niveau national ce que dit leur responsable politique Yannick Jadot sur le fait que l'écologiste n'est ni à droite ni à gauche. On voit bien aussi qu'à Paris, il serait en capacité de rejoindre Villani. Donc voilà, pour nous, on attend de rendre aussi ce que veulent faire les écologistes au second tour. Pour nous, c'est l'écologie est à gauche, bien évidemment. Mais on attend. C'est votre partenaire privilégié. C'est notre partenaire privilégié, vous bien dites, entendu. Il y a énormément de choses qui nous rapprochent, qui nous rassemblent avec Europe Écologie Les Verts. Il y a beaucoup de similitudes quand on lit vos programmes. Mais alors, sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Quelles sont encore les divergences? Il y a bien des choses qui vous font tiquer chez les écolos, qui ne vous plaisent pas. Nous, c'est pragmatique. Ce que nous voulons porter pour Lyon, c'est une réalité, et c'est des mesures qui soient vraiment écologiques, vraiment sociales et vraiment démocratiques. Le programme des écologistes, il est très axé sur la question de l'urgence climatique et de l'environnement. Ce que nous souhaitons nous mettre en avant aussi, c'est cette question de la solidarité. Et donc nous avons des mesures qui effectivement concilient l'environnement mais aussi la solidarité. Je vous donne un exemple, les écologistes ont annoncé 100% de bio dans les cantines. Aujourd'hui, c'est pas réaliste. Donc nous avons, nous, au sein de la gauche, cette vision pragmatique de la ville, cette vision aussi réaliste, faire en sorte que du 100% bio dans les cantines, on sait qu'on ne pourra pas le réaliser dès mars 2020, dès la rentrée 2020. Par contre, on sait que sur du long terme, on peut arriver à concilier du local et de l'alimentation biologique. Ils sont un peu monomaniaques, les écolos ?
Sur l'urgence climatique, l'urgence climatique. Je ne dirais pas ça comme ça, je vous laisse la paternité de ce terme, mais effectivement, il y a quand même aussi une focale très importante sur cette question de l'urgence climatique. On est sur des élections locales, on est sur des enjeux locaux, et donc bien évidemment, il faut aussi agir sur l'ensemble des compétences de la ville de Lyon. Sandrine Runel, quand les écologistes proposent de fermer le zoo du parc de la Tête d'Or, vous êtes pour, vous êtes contre ? Non, je suis absolument contre. Pourquoi ? Cette idée, parce que c'est le plus grand zoo gratuit d'Europe. Et ça, je crois que c'est assez important aussi de mentionner que c'est un zoo qui est gratuit. C'est un lieu très attaché pour les Lyonnais. Les Lyonnais, mais les grands Lyonnais aussi, hein, les Villeurbannais et l'ensemble du territoire peut aller au zoo du parc de la Tête d'Or. Donc en fait, c'est vraiment un lieu qui est populaire, c'est un lieu qui est ouvert et qui est accessible à tous. Et donc pour moi, fermer le zoo du parc de la Tête d'Or, ce serait priver les Lyonnais, les grands Lyonnais d'un lieu... Tu parles de maltraitance animale, d'animaux en cage. Alors, on sait quand même aujourd'hui, justement, qu'au zoo de la Tête d'Or, ça se passe plutôt bien, que les animaux sont bien traités. Il a été aussi repensé il y a quelques années. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse parler de maltraitance animale en ce qui concerne le zoo du parc de la Tête d'Or. Un mot sur votre partenaire à la métropole Renault-Père. Formé un ticket, un binôme. Mais on sent bien que ce binôme fonctionne pas très bien. Vous faites pas campagne ensemble ou peu sur le terrain tous les deux ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Alors on était pas plus tard que vendredi dernier à Villeurbanne pour essayer de justement comprendre le dispositif qui a été mis en place à Villeurbanne sur territoire zéro chômeur et faire en sorte qu'on puisse l'étendre à la fois à la métropole dans d'autres territoires et notamment sur Lyon. Et ce que moi j'ai proposé, c'est qu'il puisse être bénéfique à des territoires comme le 8e ou le 9e arrondissement où il y a des zones de pauvreté et des personnes qui pourraient bénéficier de ce dispositif. Donc, il n'y a pas de problème entre vous et Renault-Père ? Il n'y a pas de problème. Même si lui n'est pas issu du sérail du non. Mais il a le même rassemblement, il a la même bannière. Hein, nous avons exactement le même périmètre de rassemblement autour de nous. Nous avons commencé une campagne, on va dire, plutôt tardive, hein, depuis début janvier. Donc elle est en train de se mettre en route. Et là, nous allons multiplier effectivement les actions communes au niveau de la métropole comme de la ville. Sandrine Runel, il y avait une prétendante à la candidature à la présidence de la métropole qui s'appelle Annie Guillemot, l'ancienne maire de Bron, sénatrice PS. Elle est très critique par rapport au choix de Renault-Père. Elle dit notamment que le choix de cette candidature empêche le PS d'avoir une étiquette directe, comme lors des dernières européennes, par exemple avec Raphaël Glucksmann, le philosophe qui n'était pas issu du sérail du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Nous avons souhaité faire un rassemblement de la gauche. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas que le Parti Socialiste soit seul à partir à ces élections. Nous le regrettions déjà pour les élections européennes où Génération et même le Parti Communiste avaient présenté des listes à part. Et on voit bien d'ailleurs qu'ils n'avaient pas été en capacité de faire plus de 5% et donc d'avoir des députés européens. Ce que nous souhaitons au niveau de Lyon, c'est faire en sorte que l'ensemble de la gauche soit unie. Et donc sur la question de la métropole, de la même manière, nous savons que sur Lyon, par exemple, les écologistes et la gauche, aux dernières élections européennes, 40%. Et donc nous serions en capacité de pouvoir diriger la ville au second tour. Un mot toujours sur Renault-Père. Donc vous dites, vous nous confirmez là à l'instant qu'il n'y a pas de malaise entre vous et lui. Pourtant, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, est venue quelques jours vous soutenir, mais vous soutenir surtout vous et pas trop lui. Elle a notamment parlé des questions d'éducation. Oui. Elle n'a pas fait de conférence de presse commune avec Renault-Père. Il n'était d'ailleurs pas présent à la conférence de presse. Comment vous l'expliquez ? C'était à ma demande, effectivement. On fait partie de la même famille politique, donc il était normal que Najat Vallaud-Belkacem puisse venir me soutenir sur Lyon, un territoire qu'elle connaît bien. L'objectif de cette conférence de presse était de présenter mes mesures éducation, donc le programme autour de l'éducation qui est une compétence municipale, et donc il était plutôt logique que ça se fasse sur Lyon avec la ministre, une ancienne ministre de l'Éducation nationale, pour qu'on puisse présenter l'ensemble de notre programme, et la question des collèges sera présentée ultérieurement. Mais ça aurait pu faire une belle photo de famille avec Renault-Père. Mais ce n'était pas du tout l'objet, puisqu'on voulait vraiment axer sur la campagne municipale. Dans une campagne électorale. Mais je crois que c'est Tribune, d'ailleurs, qui était là pour accueillir l'ancienne ministre sur le quai de la gare. Et effectivement, il était présent et nous avons fait aussi des photos communes. L'objectif de ma conférence de presse, c'était vraiment l'éducation, même si les journalistes ont beaucoup parlé de son futur retour. Et justement, petit aparté, elle vous a fait des confidences. Elle sera candidate au régional face à Laurent Wauquiez l'an prochain, Najat Vallaud-Belkacem. Je vous laisse le soin de lui poser la question et elle vous a rien dit. Non, elle ne m'a rien dit. Votre programme, on en parle. L'une de vos priorités, c'est l'éducation, mais c'est aussi de lutter contre les inégalités. Une seule mesure à prendre d'urgence pour résorber les inégalités, selon vous, entre les quartiers à Lyon ?
Alors, une des mesures phares, il y en a plusieurs dans notre programme, mais ce sera la question notamment de l'encadrement des loyers. On voit qu'aujourd'hui, sur Lyon, les loyers flambent, qu'il est difficile pour les personnes en difficulté, mais aussi pour les classes moyennes, de se loger dans Lyon et dans le centre-ville de Lyon. Quand je dis le centre-ville, ce n'est pas uniquement la presqu'île, hein, mais c'est aussi des quartiers comme le 7e arrondissement, le 3e arrondissement. Donc, une des mesures phares que nous souhaitons mettre en place, ce sera bien sûr l'encadrement des loyers pour permettre à l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais de continuer à vivre là où ils l'ont choisi, donc, et notamment obligé, dans le centre-ville. Obliger les propriétaires à ne pas louer leur appartement à tel ou tel prix. Oui, alors il y a différents types de mesures qui seront développées. Hein, l'encadrement des loyers, c'est la mesure chapeau. Mais l'objectif, c'est de permettre une augmentation des loyers qui soit raisonnée et donc à des futurs locataires de pouvoir y accéder. Un mot, Sandrine Runel, toujours sur votre programme et aussi sur Gérard Collomb. Vous dites, hein, je vous cite, avec Gérard Collomb, toute l'énergie municipale a été engloutie dans l'attractivité internationale et la course au palmarès. C'est quand même une critique assez sévère. En fait, vous voulez défendre, vous aussi, les oubliés de la réussite lyonnaise. C'est exactement ça. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tous les samedis, sur le palmarès, on voit Gérard Collomb qui se félicite d'être la ville de Lyon premier du classement. Nous, ce que nous voyons, en fait, c'est qu'il y a des Lyonnaises et des Lyonnais qui sont en difficulté. Certains qui n'arrivent pas à vivre décemment, qui n'arrivent pas à vivre correctement. Une autre mesure sur la question de l'eau, ce sera de revenir en régie et donc de permettre aussi aux Lyonnaises et aux Lyonnais, mais aussi aux Grands Lyonnais, de bénéficier des 10 premiers mètres cubes d'eau gratuits, parce que c'est un bien commun. Et donc, ce qui est au cœur de notre programme, c'est vraiment cette volonté de justice sociale et d'égalité pour tous. Donc oui, la critique sur Gérard Collomb, elle est vraie. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Lyon est une vitrine, une très belle vitrine où il est agréable de vivre pendant 4 jours en Airbnb sur la presqu'île. Ça veut dire que Gérard Collomb, pour vous, il a perdu en route toutes ses valeurs sociales et ce n'est plus du tout un homme de gauche. Ah, plus du tout, et je crois que la démonstration, elle est faite depuis 2017, depuis le moment où il a aussi choisi de quitter le Parti Socialiste et de rejoindre La République En Marche. C'est quand même le premier fervent d'Emmanuel Macron. Mais la rupture, pour moi, elle est bien avant ça. Elle est dès 2014 sur les programmations qui avaient été annoncées dans son programme, dans son projet, et qui n'ont jamais vu le jour et qui n'ont pas vu non plus de succès par rapport à ce qu'il avait annoncé. Sandrine Runel, parmi les enjeux de cette élection municipale, il y a aussi la sécurité, hein, oui, qui est quand même une thématique importante. Face à la délinquance, aux incivilités qui se répètent dans certains quartiers, à la Guillotière, à Gerland, hein, ça ne vous a pas échappé. Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de policiers municipaux? Alors, ce que nous souhaitons faire, nous, c'est faire en sorte qu'il y ait des brigades de l'incivilité spécialisées. Donc, ce sera des policiers municipaux, en effet, qui seront formés, spécialisés sur les questions de prévention, mais aussi de dissuasion, notamment pour protéger. On voit que les premières victimes, ce sont quand même aujourd'hui les agressions homophobes, en fait, donc il va falloir véritablement agir là-dessus, mais aussi les femmes qui sont souvent agressées avec du harcèlement de rue. Donc on veut mettre le paquet à ce niveau-là. Mais ça veut dire des recrutements ou des agents qui sont déjà en fonction? Ça veut dire à la fois des agents en fonction qu'on mettra en brigade, mais aussi pouvoir expérimenter, notamment dans certains quartiers, vous parlez du 7e, mais aussi c'est valable pour le 8e, des brigades canines qui pourraient aussi revoir le jour dans certains quartiers, et puis également travailler avec la métropole de Lyon, puisque c'est une de ses compétences, sur la question de la prévention spécialisée, et faire en sorte que des éducateurs de rue, des éducateurs sportifs soient déployés en soirée et le week-end. Donc également occuper le terrain. Oui, exactement. Il y a besoin aujourd'hui de se sentir en sécurité, notamment le soir, pour des personnes qui sont vulnérables. Et la vulnérabilité, elle est liée effectivement à la question de l'orientation sexuelle, mais aussi à la question de la religion. Il y a beaucoup d'agressions de ce type. Et puis à la question du harcèlement de rue pour les femmes qui sont quand même de grandes victimes de tout ça. Vous êtes pour ou contre la vidéosurveillance ? La vidéosurveillance, c'est une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante. Donc la vidéosurveillance, en fait, elle sert a posteriori, une fois que l'agression a eu lieu. Donc si on ne met pas des personnes supplémentaires sur le terrain, on pourra avoir des images de la vidéosurveillance sur l'agression, mais ça n'empêchera pas l'agression d'avoir lieu. Pour ça, il faut vraiment donc des policiers ou des éducateurs dans les rues. Exactement, sur le terrain. On parle de l'éducation, vous l'aviez évoqué, c'est un autre thème qui est au cœur de votre programme. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous, futur maire de Lyon, peut-être pouvez proposer en termes d'éducation? Alors, sur la question de l'éducation, nous avons connu depuis 8 ans sur Lyon 3 rythmes scolaires différents,
puisque Gérard Collomb n'avait pas souhaité appliquer la réforme telle qu'elle avait été proposée par le gouvernement de l'époque. Nous avons changé il y a quelques temps sur un mode avec le retour à 4 jours, alors que ce n'était pas un souhait des parents et que les fédérations de parents d'élèves s'étaient mobilisées justement pour rester à 5 matinées par semaine. Aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à faire le constat que ça a été fait en dépit du bon sens, avec une pseudo-concertation, comme ils ont l'habitude de faire à la ville de Lyon ces dernières années. Donc ce que nous souhaitons faire, en fait, c'est pouvoir consulter les parents, faire en sorte que les temps de garderie soient gratuits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour que ces temps-là soient des temps aussi de vivre ensemble et de mixité sociale. Aujourd'hui, du fait de la tarification de ces heures de garderie, les enfants les plus en difficulté, ceux dont les familles ne peuvent pas se payer ce temps-là, ne restent pas à la garderie. Et donc, on perd en mixité, on perd en vivre ensemble et en équilibre. Sandrine Ruinel, est-ce qu'il faut construire de nouvelles écoles? Par exemple, il y a des arrondissements comme le 7e avec une démographie croissante. Oui, qui a explosé, bien sûr. Il faut construire de nouvelles écoles? Oui, il faut construire de nouvelles écoles. Nous avons réfléchi et programmé la construction de 5 nouveaux groupes scolaires, en plus des 3 qui sont déjà programmés et qui ont vu le jour. Aujourd'hui, c'est un principe de réalité. Il y a des arrondissements sur lesquels la population a bien augmenté, sur lesquels ce sont des familles qui viennent s'installer, et c'est valable notamment pour le 3e, le 7e et le 8e arrondissement. Donc il y aura besoin de nouveaux groupes scolaires. Et dans ces nouveaux groupes scolaires, comme dans les écoles que nous allons rénover, nous souhaitons faire des écoles qui soient accessibles et qui soient respirables, avec de la végétalisation, avec des arbres, et débitumer les cours d'école, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. La suite de l'émission, on passe aux questions sans tabou. La première avec Antoine. Sandrine Ruinel, vous avez participé cette semaine à un débat sur la culture organisé par nos confrères du Petit Bulletin et de rue 89 Lyon. Et moi, ce qu'on puisse dire, c'est que votre prestation n'a pas été toujours très convaincante. Je vais vous citer 2 exemples. Le premier, sur la cité de la gastronomie. Vous avez dit que vous l'aviez vivement critiquée, hein, que vous étiez opposée. Alors que vous l'aviez votée à l'époque, quand elle a été présentée au conseil municipal. Et puis un deuxième point qui nous a un petit peu étonnés, mais vous allez nous répondre. Vous avez félicité Étienne Blanc, le candidat de la droite, en gros d'avoir sauvé le musée des tissus. C'est pas du tout votre camp, votre positionnement politique. Non, mais c'était ironique. Est-ce que vous pouvez nous reprendre? C'était une ironie sur Étienne Blanc? C'était pas sur Étienne Blanc. Je trouve que justement, c'est une catastrophe de la part de la ville de Lyon d'avoir abandonné le musée des tissus pour que la région s'en empare. Et aujourd'hui, la région a bon dos, et Laurent Wauquiez le premier, de pouvoir se féliciter, se gargariser. Et c'est ce qu'a fait Étienne Blanc d'ailleurs tout au long de ce débat, de la prestation du musée des tissus aujourd'hui et de la manière dont ils l'ont sauvé. Et je regrette, et c'était ça le sens de mon propos, que la ville de Lyon n'ait pas été en capacité de garder. Vous voulez à la ville, en fait. Vous voulez à Gérard Collomb. Exactement, Colomb, bien sûr. Sur la cité de la gastronomie, qu'est-ce que vous reprochez? Sur la cité de la gastronomie, je l'ai dit dans le débat notamment, nous avons voté un projet qui n'était pas ficelé, mais nous avons voté une idée. Aujourd'hui, la cité de la gastronomie, c'est juste un lieu avec une entrée qui est très très chère, hein, c'est 24 euros. Et au final, vous vous retrouvez à pouvoir consulter 2 tablettes et avoir une dégustation à la fin de la visite. Ce que nous voulons à Lyon, et c'est inscrit aussi au patrimoine mondial, c'est revivre ce repas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le repas, c'est la qualité de vie à Lyon, c'est des traditions culinaires, et c'est ça qui serait important de mettre en avant autour Donc, de si la cité de la gastronomie. Donc si vous étiez maire de Lyon, vous revenez sur cette sur cité de la projet, gastronomie. Sur le projet, en fait, pas sur la cité en tant que telle, mais sur le projet et sur l'intérieur, sur la conception même. C'est trop élitiste. C'est exactement ça, c'est même pas tellement élitiste. Aujourd'hui, c'est pas accessible, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment pour une certaine partie de la population, à la fois pour des gens qui ont des moyens, mais surtout pour des gens qui, en fait, veulent juste aller visiter un lieu culinaire et gastronomique. C'est mais trop pas cher. Pour des classes populaires. Vous souhaitez devenir maire de Lyon. Petite question, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la population de la ville de Lyon? 516 000 habitants. Ah oui, c'est très précis. Effectivement, ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. Autre question, le collectif Jamais sans toi a mené des actions encore cette semaine pour défendre les enfants qui sont scolarisés la journée mais qui dorment à la rue avec leurs parents, notamment des familles de migrants. C'est un manque de volonté politique, selon vous, cette situation, le fait que ces enfants soient encore à la rue en plein milieu d'année scolaire? Oui, j'étais à l'école Alix lundi pour effectivement le goûter solidaire qu'ils ont organisé, mais il y a également dans d'autres écoles, et notamment en Briant, là où sont scolarisés mes enfants, des mobilisations, des collectifs. La question de l'hébergement d'urgence est une question que je connais bien, puisque ça a été quand même l'engagement de ma vie, et notamment un engagement professionnel très fort, et donc je continue à travailler sur ces questions-là. Et pour moi, c'est une manque de volonté politique de pouvoir faire en sorte que ces enfants puissent dormir à l'abri. Aujourd'hui, on voit que ces enfants dorment ou dans des classes, dans le meilleur des cas, avec leur famille, le soir, ou alors dans leur voiture. Et l'école, c'est pour
pour nous, et c'est pour moi notamment, au cœur du projet de la gauche, et c'est vraiment un lieu d'émancipation et c'est un lieu d'accès aussi aux droits. Donc nous devons faire en sorte que ces enfants qui sont scolarisés aujourd'hui dans ces écoles le restent, mais qu'ils puissent avoir des conditions aussi d'éducation qui soient favorables et qu'ils ne dorment plus dehors. Sandrine Runel, Tribune de Lyon a révélé cette semaine les drôles de méthodes du camp Colomb pour faire figurer des candidats sur ces listes. Mmh. Je pense que ça ne vous a pas échappé. L'entourage du maire candidat sélectionnerait par l'argent ses colistiers en fonction d'une grille tarifaire, en tout cas selon de nombreux témoignages qu'on a recueillis, de candidats qui ont d'ailleurs quitté l'aventure. Que pensez-vous de ces pratiques, franchement ? Je trouve qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des pratiques qui, dans le cadre d'une démocratie, devraient avoir lieu, puisque nous avons tous le même financement de notre campagne électorale. Nous devrions avoir tous les moyens. Et c'est aussi le principe qui a été voté dans le cadre de, justement, le financement des campagnes et des organisations politiques. Vous ne le faites pas au Parti Socialiste, à la Gauche Unie ? Non, on ne le fait pas, ni dans la Gauche Unie. On ne demande pas aux colistiers de s'engager financièrement dans cette campagne. Par contre, il peut y avoir des appels aux dons d'autres forces et d'autres citoyens qui veulent nous soutenir dans cette campagne. Mais aujourd'hui, il y a quand même cette possibilité-là, qui est offerte par l'État de financer les campagnes politiques. Et donc, tout un chacun devrait avoir les mêmes moyens pour faire campagne. Dernière question sans tabou, question vérité. Vous êtes jeune, vous avez un profil assez nouveau monde. Mmh. En toute franchise, en toute sincérité, est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment donné rejoindre l'aventure En Marche en 2016-2017 avec Emmanuel Macron, comme l'ont fait beaucoup de socialistes ? Non, c'est pas faute d'avoir eu des dépressions pour le faire, mais absolument pas. Je suis fidèle à ma famille qui est une famille de gauche et qui est la famille socialiste. Je suis au PS depuis 2005 et donc je continue cette aventure. Et au contraire, aujourd'hui, ce que nous voulons montrer au Parti Socialiste, c'est que des jeunes générations, des gens qui sont mobilisés, des gens qui sont dans la vie active aussi, qui travaillent, des gens qui connaissent les problématiques quotidiennes des habitants, sont engagés politiquement. Et quand on voit l'état du PS, vous n'avez pas de regrets ? Aucun regret, au contraire, je contribue à faire en sorte que ça aille mieux. On passe à la dernière partie de l'émission. Chaque semaine, notre invité répond à une question posée par notre invité de l'émission précédente. C'est Bruno Bernard qui était avec nous la semaine dernière, candidat des Verts aux élections à la métropole. Écoutez sa question. Sandrine Runel, bonjour. J'espère que nous partageons le même objectif de diminuer la pollution dans la métropole qui touche les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées et également les plus démunis qui habitent près des axes pollués. Que prévoyez-vous comme action rapide pour faire diminuer ces taux de pollution dans la métropole ? Votre réponse ? Alors, en réponse rapide, ce que je prévois, c'est notamment l'interdiction du diesel dans Lyon à partir de 2024, dans le cadre d'une concertation réfléchie avec les habitants. Je souhaite faire en sorte qu'il n'y ait plus de voitures diesel qui circulent dans Lyon. Ça me semble être une des mesures phares pour pouvoir réduire la pollution dans Lyon. Merci beaucoup Sandrine Runel d'avoir été l'invitée de Lyon Politique. Ce soir, un coup d'œil à la liste des autres candidats à ces élections municipales à Lyon. Yann Cuchera, Grégory Doucet, entre autres, Étienne Blanc. Merci beaucoup Antoine Comte. Merci à vous d'avoir suivi Lyon Politique. La semaine prochaine, c'est Alexandre Vincendé qui sera avec nous, le président des Républicains dans le département du Rhône, maire de Rieux-la-Pape. Il est candidat à sa succession. Bonne soirée.